allez tous crever. Bonjour Jacques Do. La société de production New World a examiné votre profil et vous propose un emploi. Vous avez refusé les deux dernières offres que nous avions proposées. Votre crédit emploi est aujourd'hui épuisé. Vous devez accepter cette dernière offre au risque de voir vos allocations interrompues. Vous devrez aussi quitter votre appartement avant 20h. Et en remettre les clés au poste de police dont vous dépendez. Vous serez mis en garde à vue immédiatement, en attendant votre comparution devant le tribunal social dans les délais prévus par la loi. D'autre part, en refusant cette offre, vous vous exposez aux poursuites pénales prévues par l'article 1 du nouveau code social. Sans réponse de votre part dans 30 secondes, nous considérons que vous refusez cette dernière offre. Oui, j'accepte. Patientez quelques instants. Nous vous mettons en relation avec votre nouvel employeur. Bonjour, je m'appelle Irina Paz, code d'accès, casting, 5223AB. Bonjour Irina, bienvenue sur Extreme TV World. Nous vous recevons Claire. Bonjour Irina. Enfin, bonsoir. Puisqu'il fait nuit chez vous, je crois. Vous êtes la gagnante de notre concours réservé aux régions extérieures de l'Union des Pays Riches. Je veux vous remercier, personnellement, en tant que producteur, et vous féliciter de votre détermination. Vos proches peuvent être fiers de vous. Je ferai n'importe quoi pour les sortir des bidonvilles de Saint-Paul, monsieur. Appelez-moi Guy, Irina. Très bien. Vous recevrez dans quelques jours votre contrat de travail, avec votre billet d'avion pour Paris. Il sera joint le contrat concernant les visas d'entrée de votre famille. Soyez assuré qu'elle recevra tous les avantages qui y sont par ailleurs spécifiés. Croyez bien que nous mesurons la grandeur de votre geste et qu'il y sera fait honneur. Vous avez des questions ? Non. Bravo Irina, et à bientôt à Paris. En appuyant sur le lien « J'accepte les conditions » en bas de la page, vous allez confirmer votre choix. À bientôt. Début de saison, nous allons aller encore plus loin et proposer à nos téléspectateurs un meurtre en direct.
Vous serez battu, violé, puis tué par strangulation. Bien entendu, nous pourrons, si vous le souhaitez, vous aider. Notre équipe médicale vous suivra tout au long de l'émission et vous fournira toute l'assistance nécessaire. Si vous désirez être mise sous psychotrope ou toute autre drogue, nous serons évidemment là pour vous aider à bien terminer l'émission. C'est une étape importante pour notre maison de production. La fille sera à l'intérieur de la pièce, puis, au signal, vous devrez entrer et vous précipiter sur elle. Vous lui donnerez quelques coups, violents, mais sans trop insister. Vous arracherez ses vêtements. Toute la scène ne dure que quelques minutes. Il vous faut agir sans précipitation, mais avec détermination. Vous êtes un serial killer. Vous agissez toujours selon le même protocole. Quand la lumière rouge clignotera, vous l'étranglerez calmement. Vous n'agissez pas sous le coup de la haine ou de la colère. Votre geste est froid. C'est celui d'un prédateur. Puis, vous sortirez lentement de la pièce en regardant la caméra. Vous fixez chaque spectateur dans les yeux. Il doit ressentir votre puissance, la faire sienne, pouvoir s'identifier à vous. Rien de très compliqué. Ladies and gentlemen, you win your life! En fumée. Vous vous rendez compte? Des sponsors découragés et qu'il va falloir faire revenir d'une manière ou d'une autre. Putain, n'importe quel abruti devrait y arriver. Il a fallu que je tombe sur un mec qui s'en fout et qui se fout de tout. Pas le moins de sens du travail bien fait. Un putain de chômeur feignant. Tiennent pas leur dossier convenablement au service du travail et de la citoyenneté. Bonjour le portrait psycho. De la foutaise, j'en foutre. Ou alors c'est le trac. Peut-être que t'as le trac. C'était trop dur pour toi. Ça t'a coupé les pattes. Lopette. C'est bien le déclin de l'union, ça.
Il n'y a plus le sens du moindre effort. Juste bon à toucher les allocs et à se pleurer dessus. Respectez mon contrat. Vous ne pouvez rien me reprocher. Les images parlent. Vous l'avez attendri? Non, je ne l'ai pas attendri, pas du tout. C'est le travail. Très bien. C'est votre comédien de chez vous qui n'est pas professionnel. Mais non! Il a refusé. Je l'ai supplié, je l'ai frappé. Peu importe. Seul le résultat compte. Et le résultat, c'est une perte sèche financière pour nous. Et pour vous, la remise en cause de l'intégration de votre famille? Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ça, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Bien sûr, il y a une solution. Un programme de plusieurs dizaines de millions prévoit toujours une solution. Nous sommes des gens responsables. Une solution? Vraiment? Oui, et c'est une solution qui devrait multiplier l'audience de la prochaine émission. Quoi? Dites-moi. Les spectateurs décideront de votre sort et de celui de l'autre acteur. Vous serez jugé et condamné. La condamnation se fera par SMS. Les téléspectateurs choisiront entre plusieurs possibilités. Ce seront eux qui écriront le prochain scénario. Priez pour qu'il n'existe pas la révocation de votre contrat. Et demande votre reconduite à Sao Paulo. Votre reconduite à Sao Paulo.